Ils sont des ministres, représentants des congrégations religieuses et des associations, ou encore directeurs techniques des ministères et institutions sous tutelle, auxquels s'ajoutent des personnes ressources, et ils ont tous pour charge de faire réussir l'initiative présidentielle pour l'éradication de la mendicité infantile au Tchad. La prééminence de la question et l'enjeu sont rappelés par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Dr Galingote Gata, qui voit en ce phénomène un des problèmes les plus sérieux et les plus difficiles de la société tchadienne. C'est une question humainement inacceptable. Ça frotte la dignité humaine. Ça frôle tout ce que nous avons comme valeur de solidarité, comme culture. Cela prendra certes du temps, mais il faut commencer tout de suite, énonce le ministre d'État. Le maître mot de la rencontre est la réglementation des écoles coraniques. Cela nécessite une offre éducative adaptée. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Moussa Kadam, par ailleurs membre du comité de pilotage, il faut cette fois-ci s'attaquer aux racines. Cette fois, et au niveau du sommet de l'État, il y a cette préoccupation. J'espère que le comité pourra vraiment s'attaquer à cette question. Vous savez, pour l'éducation nationale, un enfant, il est une préoccupation pour le système éducatif de 3 ans à 5 ans pour la petite enfance et pour la maternelle, et de 6 ans, voire jusqu'à 16 ans, puisque l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans. Quand à 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, l'enfant aura compris qu'il n'a rien appris dans le monde, un métier quelconque. C'est une bombe à retardement. Et il va falloir s'y mettre pour attaquer ce mal-là à la racine. Dans la vérité, ce n'est pas avec des faux fuyants. L'approche globale qui sera déployée, à en croire le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, ne doit pas perdre de vue la question sanitaire, mais il faut agir en synergie et en complémentarité, mais pas en compétitivité, insiste-t-il. Vous touchez une question extrêmement importante avec des ramifications complexes. Et ces enfants doivent être intégrés dans ce qu'on appelle la protection sociale en santé, c'est-à-dire la couverture santé universelle. Et pour aborder cette question, il faudrait qu'on réfléchisse dans une vision stratégique à long terme, à court, à moyen et à long terme. Mais parallèlement à ça, il faut créer un mécanisme, un dispositif efficace de suivi de la mise en œuvre des interventions. Les deux comités sont opérationnels à partir de ce jour. Doit-on assister dans le prochain jour à une chasse des enfants mendiants qui écument les grandes artères? Non, répond Brahim Murtala, rapporteur adjoint du comité exécutif qui évoque une approche tout à fait nouvelle et holistique, démarche à laquelle adhère également le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, à en croire son premier vice-président et secrétaire général, Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux mendiants. Surtout pas ça, ce sera une approche absolument nouvelle qui va dans la profondeur des choses, et c'est pourquoi dans l'IPMI, il y a une cellule recherche-action qui doit essayer de trouver tous les voies et moyens, mais les plus innovants et les plus intelligents si vous voulez, pour à travers la sensibilisation, à travers aussi des actions concrètes et à travers l'appui réel de l'État pour réglementer le secteur de l'enseignement non formel dans les écoles coraniques. L'honneur de notre pays et l'honneur de nos enfants, et qu'on ne va pas encore voir de petits-enfants dans la rue ou dans les axes ou dans le marché pour quémander. Il faut vraiment rassembler ces enfants-là pour leur donner des éducations et des orientations et les soutenir comme les autres enfants qui font des écoles. Qu'ils soient du comité de pilotage ou du comité exécutif, les membres sont appelés à rendre opérationnel l'IPMI. La responsabilité individuelle et collective est engagée par le ministre d'État qui invite tous les acteurs concernés à apporter tout leur savoir-faire et leur dynamisme. Cette structure ne doit pas être une structure de plus, inutile et mornée, met-il en garde, rappelant l'ultime objectif qui est celui d'éradiquer le phénomène de la mendicité des enfants au Tchad.